Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous, un rendez-vous extrême à ICW Reloaded. De l'extrême, de la violence et des insultes, c'est ce que nous allons avoir ce soir. Et regardez qui arrive, mais c'est Scarlett. Mais que vient faire Scarlett ici? La manageuse de Karrion Kross, car on le rappelle ce soir en main event, Iron Man match de 30 minutes. Karrion Kross contre Johnny Gargano, c'est le main event en match Iron Man. Et la manageuse de Karrion Kross arrive, Scarlett, qui est très bien faite d'ailleurs. GG la communauté. Ce soir, c'est un grand soir pour ECW Reloaded. Mais surtout pour l'homme qui finira par être ECW Champion, Karrion Kross. Ah, et il finira par être ECW Champion apparemment selon Scarlett. Et oui. J'ai vu certains fans dire que Johnny Gargano va gagner comme d'habitude. Facilement. Mais dans quel monde vivez-vous? Ce soir, c'est un Iron Man match de 30 minutes. 30 minutes de souffrance pour Johnny. On verra ça, Scarlett. Ça promet d'être lourd. Hein. Pauvre Johnny. Le pire, c'est qu'il n'y a pas de décompte ni de disqualification. Malheureusement, la Lady de la ECW ne sera pas là pour l'encourager. Oui, la Lady, car je suis la seule et l'unique. Francine n'était qu'une plaisanterie. Oh non! Ah non, alors là, Scarlett, ça va pas du tout. On ne dit pas ça de la fabuleuse, l'extraordinaire Francine. Candice LeRae? Ouh, est-ce que Scarlett serait allée un peu trop loin dans ses propos? Et est-ce que ça aurait peut-être froissé? Oh oui, elle est là! Candice LeRae est la femme de Johnny Gargano! Est-ce que ça aurait froissé Candice LeRae, ces propos-là? Oh, un face-à-face de femme, là! Pour ce début de show, c'était pas du tout prévu. Ni prévisible, d'ailleurs. Elle est vraiment très bien faite, Scarlett. C'est pas ça. Ah, petit face à face. Une différence de taille tout de même. Depuis que vous êtes arrivé ici, vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Alors fermez-le un peu et commencez par gagner un match. Un seul match. Et Scarlett, tu n'es pas la Lady de la ECW. Tu es juste la manageuse d'un perdant. Nuance. Oh. Oula. Oulala. Déjà, de quel droit tu te permets de venir ici m'interrompre? Parce que tu es la femme de Johnny Gargano? Oh, pauvre Candice, est inquiète pour son chéri. Que c'est mignon ou répugnant. Ah. Ah, ça va être un catfight à mon avis. Ah, ça va décoller là. Le compte est vite fait. Combien de matchs a gagné Karrion face à mon mari? Zéro! Alors oui madame, je suis peut-être la femme de Johnny Gargano. Mais c'est pas comme toi et Karrion étaient juste amis, n'est-ce pas Scarlett? Et qu'est-ce qu'elle insinue? Qu'est-ce qu'elle insinue? Calme-toi. Tu cherches à m'énerver, mais ça ne marchera pas. Car Karrion est plus qu'une simple superstar. Il vient d'un endroit peu commun. Et quand le moment sera venu, il règnera sur cette division remplie de pathétiques personnes. Oh, oh, ça pique. Oh, ça pique. Mais ça va décoller, à mon avis, ça va décoller. Bien sûr. Et toi, tu seras forcément Women's Champion quand lui sera champion de la ECW. Mais quel genre de guignol vous êtes. Vous n'êtes rien ici. N'oubliez pas où vous êtes. Ça clash sévère entre Candice et Scarlett là.
Oh non! Nous savons très bien où on est. Pour l'instant, je te l'accorde. C'est que les débuts de la fin. Mais ça va vite changer. Crois-moi. Elle a l'air plutôt confiante, Scarlett. Tandis que Cadiz a l'air. Tout à fait, ça va changer. Quand toi et ton stupide carry-on serez virés par pure incompétence. Et ce sera dès ce soir, je pense. Oh. Oh non, mais Candice, elle se moque complètement de Scarlett et Carrion, là, c'est un manque de respect total. Mais Scarlett a pas l'air d'accord. Elle a pas l'air d'accord! Oh la claque dans la gueule! Et celle-là, tu l'as pas volée, celle-là, Candice! Oh non, Candice qui attaque Scarlett, non, mais c'est n'importe quoi! Et voilà, je l'ai dit, ça allait décoller, mais ça décolle. Bagarre entre Candice LeRae et Scarlett. Oh là 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 là, oh, ça décolle. Ah, ça décolle complet là. Non, non, non! Oh my god, mais Candice qui continue. Scarlett qui n'a rien fait pour l'instant. Oh là là. Non, mais faut que les arbitres viennent les séparer, ça va pas du tout. Ouais, descend du coude. Non, non, c'est les hommes qui doivent se battre ce soir en main event dans un match Iron Man de 30 minutes, pas vous. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Oh, les Scarlett qui revient un petit peu. Non, mais arrêtez, mais séparez-les là. Ça va plus du tout. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ah non, non, mais pourquoi il n'y a aucun arbitre qui vient les séparer? Faites quelque chose. Oh là là. Bon, c'est vrai que les propos étaient complètement disproportionnés, on va dire. C'était critique sur critique, limite insulte. Oh my god. Là, ça finit par coup de poing dans la gueule. Et ben, on aime bien les coups de poing dans la gueule, mais voilà. Là, on n'est pas dans le contexte d'un match. On est dans le contexte juste de parole. Oh non, mais Candice qui se moque. Mais elle se moque, elle humilie complètement Scarlett. C'est une honte. Oh my god, American Runner de Scarlett. Elle en a encore. Oh my god, la clothesline. Ah, ben ça y est, l'arbitre est là. L'arbitre est là, allez. Allez, on sépare les femmes, on sépare les girls, parce que là, ça va plus. Hein. Oh, mesdames et messieurs, regardez qui arrive! La toute nouvelle ECW Women's Champion, la toute première! Car oui, le titre vient d'être mis et il est là! Il est là, ce tout nouveau titre! Comme promis, Rhea Ripley! Rhea Ripley a battu Charlotte Flair lors de ECW Anarchy Rules. Elle a battu Charlotte Flair pour le titre féminin de NXT qui a fait ses adieux officiellement et le titre a été retiré. Rhea Ripley est donc la dernière à avoir été NXT Women's Champion et la première à être ECW Women's Champion. Et ce titre est vraiment pas mal, hein. Et c'est un match extrême, l'annonceur a dit. Ça aussi, ça va être très intéressant. Oh! Oh, mais elle fait. Mais c'est une débutante, Kaylee Ray! Ah, ben c'est une toute nouvelle! Elle fait ses débuts ce soir à ECW Reloaded, Kaylee Ray. On la connaît pas du tout. D'accord. Bon, ça va être facile pour Rhea Ripley. Elle fait ses débuts. On va voir ce qu'elle donne, Kaylee Ray. Nouvelle recrue dans la division ECW Reloaded. Oh, les fans sont chauds. Oh, les fans sont chauds. Et c'est donc parti pour ce match extrême. Hein. Attention, faut le préciser, c'est extrême. Oh my god. Rhea Ripley qui commence direct.
Allez. Alors, il plaît là, qui blesse le bras de Kylie Rae. Ah, on est quand même content de voir Kylie Rhea Ripley, ECW Women's Champion. Ah, ça faisait longtemps qu'elle stagnait autour du titre féminin et elle a enfin eu. Oh, par contre, Kylie Rae, regardez comment elle plie Rhea Ripley. Allez, le kick de Kylie Rae. Qui fait ses débuts ce soir. Oh, coup de la guillotine sur la championne. Au moins, on lui permet d'affronter la championne directe. Comme ça, ça lui donne un petit peu le ton, l'ambiance que KCW Reloaded. Attention, elle a tenté un tombé direct. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas, elle a tenté. Donc, tant mieux pour elle. Attention, Hurricane Rana, bien porté par Kylie Rae. Oh, allez, elle ramène dans le ring, assez violemment d'ailleurs. C'est important de le noter. Oh my god, elle lui a mis les doigts dans le nez ou dans les yeux. Oh, tant que c'est classe, ça va. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs à l'épisode et à également rejoindre mon Discord. Le lien en description de chaque vidéo. N'hésitez pas si vous voulez me parler de catch entre fans. Il y a une section spéciale catch. Vous pouvez blablater de tout. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter l'épisode, dire ce que vous en pensez, tandis que Kylie Rae prend une échelle. Elle prend une échelle. Oh là là. Non, mais c'est pas un ladder match, madame. Hein. Oh my god. Oh, elle a voulu frapper Rhea Ripley avec l'échelle. Je rappelle que c'est un match extrême. Hein. Ah, Rhea Ripley va prendre un objet, elle aussi. Oh, elle a pris un candlestick. Oh! Oh my god! Oh non, mais ça continue. Oh, allez, encore. Oh là 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 là, Kylie Rae, elle s'est faite fouetter un coup de kendo stick. Et... Oh, Rhea Ripley! Qui s'est jeté. Oh, le petit paquet de Kylie Rae! Un... Oh là là, attention, attention. On peut se faire surprendre, Rhea Ripley. Oh, coup dans la face. Elle s'en sort bien, Kylie Rae. Pour l'instant, on va pas se mentir. Elle s'en sort bien. Et c'est parfaitement exécuté. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette échelle? Qu'est-ce qu'elle fait avec cette échelle? Ouh, ça m'a l'air d'être une femme extrême. Elle est tombée au bon endroit. Oh, le petit mâchoire. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Le tomber. Un... Franchement. Ouh, la belle esquive. Attention, Rhea Ripley avec la souplesse arrière. Bien portée par la championne qui se fait huer. 1, 2 et dégagement. Se fait bien huer, Rhea Ripley. Elle a repris le cadeau stick. Oh my god! Elle a encore repris ce cadeau. Elle a voulu frapper, elle a bien esquivé. Ah, Kylie Rae qui contre. Et voilà, la roue tourne. Allez. Oh, Rhea Ripley qui préfère fuir un petit peu. Ouh, quel est le genre de championne qu'elle essaye d'être là. Kylie Rae, on n'a pas fini. Elle en a pas fini. Ça y est, on a éveillé son côté extrême. Elle a pris un sledgehammer. Oh là là, attention. Attention! Non, Rhea Ripley, oh my god, qui a repris le sledgehammer, elle lui a fait lâcher l'arme. On est à l'extérieur du ring, il n'y a pas de décompte, vous le savez. Attention, powerbomb! Oh my god! Elle a repris le kendo stick, Rhea Ripley. Allez, oh là 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 là, elle prend de sacrés coups, Kylie Rae, pour ses débuts. Ah, ce serait pas cool qu'elle finisse à l'hôpital dès le début, mais bon, elle a l'air en pleine forme quand même. Elle aura quelques bleus, ça. Oh my god, Rhea Ripley, elle aura aussi des bleus, parce qu'elle vient de se prendre les escaliers en pleine face. Face. Ah,
Ah, une nouvelle arme, peut-être une chaise. Une table! Elle prend une table! Oh my god, qu'est-ce qu'elle va faire avec une table, Kylie Rae? Bah rien du tout. Oh, la replay, la souplesse arrière! C'est un joli saut chassé que vient de faire Rhea Ripley. Elle coupe pas dans la face. Peut-être revenir dans le ring là, Rhea Ripley revient dans le ring en effet. Où elle se vante, ce qui déplaît fortement aux fans. Et pourtant, Rhea Ripley, elle était bien accueillie par les fans avant. Et depuis qu'elle est championne, je sais pas, j'ai l'impression que, bah, que c'est devenu l'ennemi de tous, quoi. Voilà, concrètement. Attention, Rhea Ripley. Oh, 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 Kylie Rae avec la prise de soumission. Oh, comment elle a surpris. Elle a surpris Rhea Ripley. Elle va pas. Elle a fait abandonner la championne. Kylie Rae remporte son premier match ici. ICW Reloaded. Elle a fait abandonner la championne. Oh my god. Oh, je suis choqué. Oh my god, Rhea Ripley est vénère, mais Kylie Rae se défend. Et elle dégage la championne. Mais est-ce qu'on aurait une nouvelle championne sur le ring là? Est-ce qu'on aurait une future challengeuse numéro 1? Oh my god. Le prochain match de la soirée, mesdames et messieurs, on accueille, vous le connaissez bien maintenant, The Limitless Keith Lee arrive. Eh oui. The following contest is scheduled for one fall. And from Wichita Falls, Texas, weighing in at 320 pounds. One half of the World Tag Team Champions, Limitless Keith Lee. Le Limitless Keith Lee, moitié des champions par équipe de la ICW. Ah là 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 là. D'ailleurs, je le rappelle si certains ne sont pas au courant, mais pour en 2021, en janvier 2021, il y aura accès aux épisodes de la ICW originelle, hein, de l'année 1995 jusqu'à 2001, à sa perte évidemment. Tout cela va arriver dès janvier 2021. J'ai très hâte de vous faire découvrir ça. Très très hâte de vous faire vivre ce mode univers spécial ICW original extrême. Ça va venir et j'ai très hâte. Mais en attendant, nous accueillons l'autre moitié des champions par équipe. The one and only. From Capitol Hill, Washington, D.C. Weighing in at 227 pounds. One half of the ECW World Tag Team Champions. Velveteen Dream. The Velveteen Dream. Et là, c'est les champions par équipe qui sont en action ce soir à ICW Reloaded. Un grand match à venir. De toute façon, à chaque fois qu'ils font un match, ils sont vraiment pas mal. Hein. Ils sont vraiment pas mal. Ils ne veulent pas perdre des titres, en tout cas. En tout cas, Keith Lee sait très bien que dès qu'il perd les titres par équipe, il va dire au revoir à ICW Reloaded et va rejoindre soit Raw, soit WCW SmackDown. Ils sont pour l'instant pas déterminés à perdre des titres. Hein, non. Ah non, attends, ils ont eu plusieurs challengers, les Mustache Mountain, Undisputed Era, Brizongo. Et ben c'est tout. Et ben c'est tout, et ils ont jamais perdu. Alors ce soir, qui vont-ils affronter? L'Undisputed Era encore? On va voir. On va voir, en tout cas, les champions sont là.
C'est un très très beau règne qu'ils sont en train de faire. On pourrait même en sortir un épisode spécial, retraçant tout le parcours, le chemin. Peut-être lorsqu'ils perdront les titres, on fera peut-être un épisode spécial de tout leur règne, des plus grands matchs qu'ils ont fait. Et en tout cas, le Velvet Dream, lui, continuera sa carrière à ECW Reloaded, quoi qu'il arrive, pour l'instant. Il ne rejoindra pas Raw ni SmackDown. Pour l'instant, bien évidemment, rien ne dit qu'il ne rejoindra pas un jour. Alors que leurs adversaires sont moustachus, ce sont Trent Seven et Tyler Bate, Mustache Mountain. Voilà leurs adversaires, ils se connaissent bien, ils se sont déjà affrontés plusieurs fois. Mais pourquoi ne pas s'affronter encore une fois? Peut-être pour voir si Mustache Mountain se sont améliorés. On verra, peut-être que Mustache Mountain sont les futurs champions de la ECW. Ils ont déjà été NXT Tag Team Champions. Mais jamais ECW World Tag Team Champions. Et pourquoi pas un jour? Pourquoi pas un jour, c'est une nouvelle ère à ECW Reloaded à partir de cette nouvelle saison. Hein, la nouvelle saison a débuté, comme chaque année, une nouvelle saison débute. Sauf que c'est sur le même jeu. Et oui, bon, ça c'est pas grave. Ça n'enlève rien au charme qu'est ce mode univers. Mustache Mountain face aux champions par équipe, c'est tout de suite dans un match par équipe simple, il me semble, pas de règles extrêmes. Et ça, c'est bien dommage. Ah, c'est bien dommage. Les fans sont chauds, hein. Ah si, c'est un tornado tag team, c'est extrême. C'est un match extrême. Oh, ben c'est parfait. Le Mustache Mountain qui commence très fort. Trent Seven qui s'occupe de Case Lee tandis que Tyler Bate s'occupe du Velveteen. Retombé sur ses jambes, alors c'était vraiment très chaud. Hein. Mais il a failli tomber. Attention, Tyler Bate, la sous. Non. Oh, le DDT sur le Velveteen! Sur la clothesline de Tyler Bate. Oh non, Trent Seven. Oh! Oh, Tyler Bate qui s'est jeté sur le Velveteen à l'extérieur. Une demi-tentative. Voilà, il a tenté un truc là, mais ça s'est pas passé. Case Lee avec Trent Seven là dans le ring. Oh my god, joli retournement. Je pense qu'on a eu très peu de défaites de champions par équipe dans les matchs lors d'épisodes ECW Reloaded. En tout cas en pay-per-view, non. Parce qu'ils ont toujours défendu leur titre en pay-per-view et toujours gagné. Mais en weekly, je sais pas le nombre de défaites qu'ils ont eu. S'ils en ont eu, bon, ils ont dû en avoir une ou deux, je pense. Mais je me demande bien quelle équipe vont bien pouvoir les battre. Parce que on les aime bien, oui certes, mais on aimerait avoir de nouveaux visages quand même avec ces titres. Et j'espère de tout cœur, vraiment, qu'une équipe va avoir assez de talent et pouvoir les battre, mettre fin à ce long règne qui sera certainement et évidemment un règne... règne qu'on se souviendra, voilà, mémorable, voilà, mémorable, un règne mémorable.
quand on est à l'extérieur pour les deux équipes. Ça se bagarre là. C'est un match extrême. Aux règles extrêmes. Et on aime bien. Parce qu'on a ECW Reloaded. Attention. Tyler Bate. Oh là. Oh, il a sorti une échelle. Case Lee a sorti une échelle. Et attention aux barrières de sécurité en métal. Attention, attention. On rigole pas avec ça. Ça va faire mal. Casely qui a relevé Trent Seven. Oh, le DDT. Alors que Tyler Bate a pris les escaliers, mais pas d'une manière à ce que ça lui fasse du bien. Oui. Allez, tout le monde est de retour dans le ring, en effet. Ah, c'est un petit peu la panique. Il y a tout le monde un peu partout. La prise de soumission, le leg lock de Trent Seven. Et Casely qui se dégage. Il n'a pas l'air d'être déterminé à perdre. Oh, le Velveteen qui va chercher une arme. Il a pris une batte de baseball. Attention. Oh, Tyler Bate avec le coup de poing lui a vite fait lâcher cette batte. Attention. Ah, ça casse le dos alors que Casely va aussi prendre une arme. C'est une chaise. Oh my god, Trent Seven avec le coup de chaise là. Oh my god. Mais c'est 2 contre 1. 2 contre 1. Oh my god. Oh, mais non. Mais what? Casely a donné un coup de chaise au Velveteen Dream. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La 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 la. Alors ça c'est pas normal les gars. Qu'est-ce que... Pourquoi donc? Velveteen a l'air assez vexé. Casely lui continue son match. Velveteen a pris l'échelle. Trent Seven qui s'occupe de Casely. Il l'a remis dans le ring. Ah, le coup de chaise là, il va falloir en parler. Il va falloir en parler. Est-ce que c'était accidentel ou est-ce que c'était volontaire de Casely? Attention, attention. Il a failli lui remettre un coup encore. Hein. Casely est sonné. Oh, Tyler Bate! Les champions là, c'est, ça a l'air très oh my god. Et Trent Seven qui va tenter le tomber. 1 2. Oh my god, presque. Oh, oh, Tyler Bate, c'est bien fait. 1 2 2. Et oh, on n'est pas loin, on n'est pas loin là pour les Mustache Mountain, les gars, on n'est pas loin. Ils se font huer. Se font huer. Oh, le Velveteen a fait la prise de finition. Il va tenter un tombé. Le Trent Seven est devant. Ben oui, forcément. Oh, il a fait lâcher la batte de baseball juste avant. Mais par contre, Casely est KO. Oh. Et Tyler Bate aussi. Oh, il roule à l'extérieur. Oh, les champions qui roulent à l'extérieur. Qui fuit le match parce que là, concrètement, à ce moment-là, ils sont pas du tout meneurs là. Actuellement, les Mustache Mountain font un très bon match. Est-ce qu'ils se seraient pas en train de rendre compte que c'est pas leur meilleur match là? On lâche. Oh, il a failli donner un coup de patte de baseball. Une jolie manchette. Trent Seven va tenter de tomber. Velveteen et KO. 2. 2 et 3, les Mustache Mountain remportent le match.
Les Moustache Mountain battent les champions par équipe, le Velveteen Dream et Casely. Oh my god! Est-ce que c'est un signe? Ils ont été très bons, les Moustache Mountain, très bons. Mais est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est le signe que tout le monde attend? Ah, la défaite des champions. Oh, ça sent les futurs challenger numéro 1. On est même allé jusqu'au 100 pour Trent Seven. Belle victoire des Moustache Mountain. Ça fait super plaisir. Bravo. Prochain match de la soirée, qui est l'avant-dernier d'ailleurs, juste avant un main event. Oh là, l'Undisputed Era vient au complet avec le ECW North American Champion. Alors c'est un match par équipe. Kyle O'Reilly et Bobby Fish sont en équipe mais sont accompagnés de leur leader, le champion nord-américain Adam Cole, mais également Roderick Strong en arrière-plan. Ah, encore un match par équipe. Ça, ça va être intéressant. Et ça va être franchement très sympa. N'est-ce pas? On est sûr que ça va être franchement très sympa. Adam Cole, boum! Oh là 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 là, les frissons! Eh oui, l'Undisputed Era est présent, mais ils vont affronter qui? Mais ils vont affronter qui? Les Fandango? Les Prisonogo? Qui d'autre? Alors ça, c'est une grande question, ça. Oh! Mais... And their opponents, at a combined weight of 451 pounds. Mais oui! Mais c'est les gars qui étaient avec Walter pour son match à Anarchy Rules! Mais oui, mais c'est... Oui, mais Imperium, voilà, c'est ça! Imperium! Alors, on va dire que c'est Marcel Bartel et Fabian Eichner qui sont là. D'accord. Ah bah d'accord. Ah bah franchement, oui, bah oui, bah, ils font leur début officiellement dans le ring. Hein. Bah je pensais juste qu'ils étaient là comme garde du corps, quoi. Mais pas... Bah, ils ont vraiment un contrat de catcheur, c'est des superstars. Voilà une nouvelle équipe, donc ah bah, il était temps. Bah, c'est Bobby Fish qui va commencer face à Fabian Eichner. Et c'est parti. Eh ben ça, c'est une bonne surprise. Ah ben on est ravis et bien surpris. J'ai pas d'autres mots, désolé. Hein. Et oui, au cas où si vous ne le sauriez pas, nous avons un tout nouveau ECW Champion, Walter, pour son premier match à ECW, a chopé le titre de Tommaso Ciampa. Il a totalement réduit à néant. Si vous voulez voir ce match, c'est une humiliation qu'a subi Tommaso Ciampa. Je pense qu'il s'en remettra pas de sitôt. Belle projection dans le coin. Fabian Eichner. Body slam bien porté par le membre de Imperium. Tombé. Un. Ah, simplement un. Hein. Ouais, pas mal. Belle perf. Projection dans le coin. Oh, coup de coude de Bobby Fish qui va pas se laisser faire. La manchette. Il fuit Bobby Fish alors que c'est Marcel Bartel qui rentre maintenant du côté de Imperium.
que font Adam Cole et Roderick Strong là-bas. Mais calmez-vous. Ils ont l'air stressés là. Oh, c'est bien fait. Le leg lock là, le leg breaker à l'extérieur. C'est bien fait de Bobby Fish. C'est bien fait. Oh, le coup de coude de Fabian Eckner. Et Imperium, ils sont... C'est une multinationale. C'est-à-dire que Fabian Eckner est un Italien. Marcel Bartel, il est allemand, je crois. Ou peut-être pas. Oh, oh, Fabian Eckner qui attaque Adam Cole. Mais what? Mais what? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais il s'est trompé d'adversaire, ce... Oh, mais non, mais il frappe Kyle O'Reilly aussi. Oh, ça va pas se passer comme ça. Bobby Fish est là pour casser. Oh, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là 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 là. Mais c'est des fous. C'est des fous. C'est un fou. Walter est autrichien. Alexander Wolf est allemand. Mais alors Marcel Bartel, il est suisse peut-être. Je ne sais pas. Je me suis pas penché sur son cas. Mais en tout cas, voilà, c'est une multinationale. Il y a plusieurs nationalités dans cette équipe, c'est bien. Oh, attention! C'est un petit peu comme l'équipe que fondait Wade Barrett, Alberto Del Rio, Rousseff et Sheamus. Voilà. Qui n'a pas duré longtemps, cette équipe. C'était bien, c'était bien. La League of Nations. Là, là. Tout comme ça. Bon, en tout cas, voilà, c'était une petite anecdote. On est de retour du côté de Kyle O'Reilly dans le ring face à Fabian Eckner à nouveau, le taré, celui qui a tenté de décimer toute l'Undisputed Era lui tout seul. Voilà, le mec, il a clairement voulu attaquer tout le monde. Et le changement avec Marcel Bartel. Allez, le leg drop, leg. Et il le projette dans le coin. Et Marcel Bartel est un Allemand. Il est né à Penberg. Voilà, la réponse est là. En tout cas, il domine pour l'instant Kyle O'Reilly. Enfin, il domine. Il gère bien l'adversaire. Avec une sou... Oh non, genou dans la face. Oh, ils se font huer l'Undisputed Era. Adam Cole qui sautille là-bas comme un enfant, mais c'est n'importe quoi. Allez, la descente du genou. Adam Cole, d'ailleurs ton titre là, tu vas le défendre bientôt? Est-ce que tu vas le perdre? Parce que ça commence à faire long. Hein. Ah mais par contre, on parle, mais Pete Dunne, ça va faire 2 ans qu'il est champion UK dans le mode univers. 2 ans. Ça va faire 2 ans. En novembre. Ah. Ah oui, il faut se poser les bonnes questions là. Ah. Ah oui. Ah oui. C'est inquiétant là. Ah bah, on va jamais le perdre, le titre. Oh. Belly to belly de Fabian Eckner sur Kyle O'Reilly. Tandis que Marcel le ramène dans le ring. Sur seconde corde et le splash. Oh, c'est bien fait, c'est bien fait. Regardez. Ah non, Bobby Fish. Oh, il s'est fait mal au dos, Bobby Fish, en faisant le saut là. Et joli coup dans le dos à la part de Kyle O'Reilly.
dégagé par-dessus la troisième corde. With any respect. Le respect, il en a pas trop. Oh! Oh, Kyle O'Reilly, il a mangé les escaliers. On n'intervient pas, monsieur Roderick Strong ni Adam Cole. On n'intervient pas. Restez dans vos coins. Et surtout, ne faites rien. Adam Cole est en train de discuter avec Marcel Bartel. Putain, lévitation. Adam Cole qui continue de provoquer. On t'a dit de pas te mêler de ça. Et l'arbitre, l'arbitre le dégage. L'arbitre a dégagé Adam Cole. Il est exclu des abords du ring. Chez. Chez, monsieur Adam Cole, chez. Ça, c'est bien fait pour lui. On lui a dit de faire ce qu'il faut, hein. Il n'a pas fait. Ah ben, chez. Tout simplement. Il est tombé. Oh, Kyle O'Reilly, le Judy Gatabe. Oh my god, cette prise de soumission, elle est super bien faite. Ah non, oui, mais fait bien Eckner. Il a immédiatement cassé cette prise le plus vite possible, tant qu'il le peut. Et tentative de tomber. 1, 2, et dégagement. Sur le belly to belly, c'est bien fait de la part de Bobby Fish. Ils ont quand même un peu de mal, et l'Undisputed Era face à Imperium. Important de le noter que il y a un potentiel dans cette équipe entre Bartel et Eckner. A voir si Alexander Wolf ou Walter sont également dans l'équipe des fois. Bon, pour l'instant, Walter, il est ECW Champion. Je pense qu'il a d'autres priorités. Il va laisser ses coéquipiers se débrouiller un petit peu, à mon avis, dans la division par équipe. Mais ça fait du bien d'avoir une nouvelle équipe. Ah, ça fait du bien. Il y a 4 équipes maintenant. C'est bien. C'est bien, 4. Non, 5. 4. Allez, Bobby Fish sur Marcel. Attention au décompte extérieur, hein. Ce serait bête de se faire count out. Oh, oh, Bobby Fish a été projeté violemment contre les escaliers en titane. On a 8 là, attention. 9, 9, Ah non, non. 10, victoire d'Imperium par des côtes extérieures. Victoire d'Imperium par des comptes extérieurs. Oh, et ben oui. Premier match pour cette équipe. Et une victoire. Et ben on a eu le début de Kaylee Ray qui a battu la championne. Victoire. Hein. Et la Imperium qui commence et qui bat l'Undisputed Era. Alors certes, c'est par des comptes extérieurs, mais la victoire est tout de même là. Et oui. Marcel Bartel, Fabien Eckner, Imperium sont là et sont bien gagnants aujourd'hui. Ah bah bravo les gars. Et maintenant on se dirige vers un main event de fou. A tout de suite. Et là on est de retour après la pub. Johnny Gargano est déjà dans le ring. From New York, weighing in at 220 pounds, Karrion Kross. Ce match est un match très spécial. Iron Man match de 30 minutes. Quel est le but? Quel est le but d'un Iron Man match? Mesdames et messieurs, les superstars ont 30 minutes de délai pour faire le plus de tombées sur l'adversaire possible. Pour remporter le match. Celui qui a le plus de tombées remporte le match. Dans une durée de 30 minutes.
Voilà, tout simplement. Johnny Gargano est déjà venu. Alors qu'on accueille Karrion Kross. En effet, Karrion Kross est plutôt bien apprécié. Bon, c'est assez limite entre les deux. En tout cas, c'est très... Ça fait très plaisir de voir un Iron Man match. Très très plaisir. Et on est parti. On est parti, vous pouvez voir le décompte en haut à droite de votre écran. Johnny Gargano versus Karrion Kross. C'est parti. Alors on va essayer de comptabiliser ensemble le nombre de points pour Gargano et le nombre de points pour Karrion Kross. Alors moi de mon côté j'ai mon petit papier, évidemment je pense que vous l'aurez compris. Allez, Johnny, la souplesse arrière. Et le match sera diffusé en intégralité. Hein. Pas de coupure pub en plein milieu. Ça aurait pu. Ça m'a traversé l'esprit. Mais non, finalement, il sera en intégralité. Coup de poing dans la face. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas faire une souplesse. Oh my god! Une souplesse arrière à l'extérieur du ring! Et le tombé déjà. 1, 2, et dégagement. Oh my god. Non mais la souplesse arrière à l'extérieur du ring. Il est taré. Il est taré. Il est malade. Et le DDT de Karrion Kross. On rappelle que ce match, il n'y a pas de décompte extérieur ni de disqualification. 1, 2, et dégagement. On va dire que c'est un match extrême Iron Man match. Un extreme Iron Man. Est-ce que Karrion Kross va donner raison à sa manageuse Scarlett ou est-ce qu'il va donner raison à la femme de Johnny Gargano, Candice LeRae? False count anywhere en plus. On peut faire le tomber n'importe où hein, vu qu'ils l'ont fait à l'extérieur. C'est un Iron Man false count anywhere, no disqualification. Voilà. Ça y va les stipulations. Hein. Jolie botte rouge, madame, dans le public d'ailleurs. Il s'est pris les escaliers, Karrion Kross. Et non. Attention, le backbreaker. Torsion du bras. Oh, Karrion Kross qui se vante. Qui essaie de faire rager les fans. Oh, alors par contre ça fait mal. Oh, Karrion Kross encore qui se prend ses escaliers en acier trempé. Oh, Johnny, le tombé. Bon, l'arbitre, il a 1, 2 et 3. Un point pour Johnny Gargano. Un point pour Johnny. Oh my god. Et il retente. Mais non, mais pas comme ça. 1, 2. Oh. Johnny Gargano a un point. Oh my god! Il va retenter. Oh là là, il va l'humilier. 1, 2. Et non, dégagement. Oh, on n'était pas loin du 2-0. Oh non, mais Karrion Kross, il va falloir se réveiller. Oh pourquoi? Non mais au bout de 4 minutes quand même il a réussi. Oh le crossface. Il peut abandonner aussi. Il peut abandonner hein. Est-ce qu'il va réussir? Oui. Oui, ça fait 2. Ça fait 2-0 pour Johnny Gargano. Aïe aïe aïe. Non mais non. Mais ça va pas être possible ça monsieur Karrion Kross.
Mais non. 2-0 en à peine 5 minutes de match. Tomber. Allez, de Carrion. 1, 2 et 3. Carrion cross à 1 point. Ça fait 2-1. Bon, c'est un joli match de Ligue 1 pour l'instant. Tiriti. Il est tombé à nouveau. 1, 2 et non, dégagement de Johnny. Et pas de suite. Ah, mais il y a de l'action en tout cas. Oh, encore contre les escaliers. Hein. Et je ressens la douleur. Allez, on est à l'extérieur encore. Le tombé de Carrion. 1, 2, et dégagement à nouveau. Et c'est bien fait. On est à l'extérieur. Johnny Gargano qui se jette. Il est malade. Allez, le arm lock. Oh. Bien fait de la part de Johnny. Il l'a remis dans le ring. Oh, la belle esquive. Oh, le petit paquet. Kick dans la face. Ah, ça fait plaisir d'être de retour dans ce magnifique ring. Avec les cordes violettes et ce logo en plein milieu du ring. Oh, face contre le coin. Et c'est peut-être le troisième point que Johnny va chercher. Il va le chercher, ce troisième point. 1, 2, et non. Oh, dommage. Oh, dommage, on y était presque, hein. Sur Johnny, un coup dans le dos, et c'est bien fait ça. Surpassement par-dessus les épaules. Torsion du bras de Johnny. Oh. Et encore, et il se dégage. Oh, coup de la guillotine. Tentative de tomber. 1, 2 et non. Ah, dommage, Carrion Cross, j'y ai cru. Ah, j'ai cru que ça passerait pour lui. Ah, c'est dommage. Faut au moins qu'il égalise là. Attention, Spinebuster. DDT. Et 1 et 2 et non, dégagement. Allez, le coup de poing dans la face, Johnny Gargano. Ah, c'est bien fait. Et le troisième point peut-être. 1, 2 et 3. Et ça fait 3-1 pour Johnny Gargano. Aïe aïe aïe, Carrion Cross qui est mal barré alors qu'il reste 20 minutes. Bon, il reste largement le temps à Carrion Cross de tout faire pour revenir. Prendre le dessus, le tomber. Allez, on y va. 1, 2 et non, dégagement, mais c'est pas vrai. Oh, Johnny, laisse un petit peu Carrion Cross prendre le dessus, faire espérer au moins. De
Chon, c'est bien fait. Il est tombé. 1, 2 et 3, Karrion Kross, 2 points. Oui, ça fait 3-2. Toujours pas d'égalisation, même si on y est presque. Breaker. On est à nouveau à l'extérieur du ring pour les deux superstars. Et bien, on est à nouveau dans le ring pour les deux superstars. Sur Johnny Gargano qui va faire de lui un chewing-gum lorsqu'il va lui casser le bras comme ça. Et peut-être le quatrième point. Oh là là. Un. Ah. Ah. Ça va être un peu plus compliqué, les gars. Oh oh. 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 Mais l'arbitre, il est où? Un. Deux. Et non. Oh, cet arbitre! Oh, cet arbitre! Mais virez-le! Faites quelque chose! Eh, il va falloir qu'il arbitre. Ah, ah, il arbitre en national là! Parce que là, ça va pas! Hein. Oh là là, quelle incompétence! Oh, c'est dur! Et en tout cas, on est toujours à l'extérieur. Le tombé, allez, allez, l'arbitre, il est où? 1, 2, et dégagement à nouveau. Simplement 2. Il y a beaucoup de tentatives. Hein. Ça, je ne sais pas le nombre de. Oh, le nombre de tentatives qu'il y a eu. Et le tombé de Karrion, ça va pas suffire. 1, 2, et 3. Oh, égalisation! Égalisation 3-3. La balle est au centre. Karrion Kross qui a égalisé pour la première fois dans ce match. Oh, par contre, Johnny va vite reprendre le dessus à mon avis. 1, 2, non, non, non. 3. 4-3 pour Johnny Gargano. C'est pas vrai. Bon. Il aurait égalisé, mais alors vraiment pas pour longtemps. Hein. Oh, les escaliers. Il a sa chance, Karrion Kross. Il a sa chance. Johnny a toujours mené au score. Là, il a pu égaliser. Il a remené au score, Johnny. Mais il peut. Sur un malentendu, il peut. Ah, c'est difficile pour Karrion Kross ses débuts. Hein. C'est vraiment difficile. Scarlett l'a dit. Je dois te l'accorder que bon, c'est compliqué. Ah, il a voulu s'attaquer à peut-être plus fort que lui dès ses débuts. C'est peut-être pas une bonne idée. Il a peut-être pu choisir Finn Balor ou Ciampa. Ou Adam Cole. Oh, DDT. Le tombé. Allez, l'égalisation peut-être. 1, 2. Et non. Oh, j'y ai cru. Faut pas me faire croire comme ça. Ah là là. Allez, le poteau électrique. Oh, le tablier électrique. Oh, allez, contre la barrière de sécurité. Et encore. Oh là 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 là, il est en train de l'enchaîner. Aïe 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 aïe.
La Karrion Kross, je pense qu'il a pris très très cher. Temi. Et allez, hop, il a remis dans le ring. On est enfin de retour dans le ring. Ça fait plaisir. Ça fait zizir, comme on dit. Et le crossface pour le 5e point. Oui, 5 à 3. Oh là là, Johnny qui prend l'avantage large maintenant. À 14 minutes de la fin. L'heure tourne, monsieur Karrion Kross. Aïe! Aïe. Il est tombé pour le 6e. 1, 2, et non! Oh, le coup de coude! Et Johnny Gargano qui demande aux fans de faire du bruit. Make some noise! Bien beau de dire. Oh! Oh, il s'est pris les escaliers là! Ça fait mal. C'est bien fait de la part de Johnny. Oh, Johnny kick. Et le Rick and Ryan. Et tentative. 1, 2, et dégagement. C'est vrai que l'emplacement de la caméra n'est pas très, très bien là. Hein. Johnny Gargano qui a 5 points contre 3 points pour Karrion Kross. Pour l'instant, il mène très très bien. Oh, le crossface! Oh! Non. Oh non. Non, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Ah, oh, c'est dur. Oh, que c'est dur ce match. Oh non, non, allez, on reste un petit peu dans ce ring là. Arrêtez d'aller à l'extérieur là, vous nous commencez à nous gaver. Oh ben, eh ben, il m'écoute pas, aucune autorité. Je pense qu'on va virer les deux. Hein. Bah oui, bah. Voilà, hein. Licenciement hivernal. On chute du coup de poing. Tentative, allez, allez. L'arbitre. 1, 2, et non. Non mais l'arbitre, c'est un scandale quand même. Hein, c'est difficile. Ah, il est difficile cet arbitre. Je pense que lui aussi va passer au licenciement très très rapide. Oh, c'est bien fait alors qu'il reste bientôt que 10 minutes dans ce match. Le crossface en plein milieu du ring. Allez, et le 6e point de Johnny Gargano. Face à 3 de Karrion Kross. Et il va enchaîner peut-être avec le 7ème 1. 2 et dégagement. Oh, Johnny Gargano qui prend le large. Ça fait 6 à 3. Point. Et c'est bien fait. Et à tentative. 1, 2, et 3, oui, 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 le 4e point pour Karrion Kross. Ça fait 6 à 4. On est encore loin, hein, Karrion, il te reste 10 minutes. C'est officiel, 10 petites minutes pour y aller. Il est 22 fous. Oh, le super kick. Et encore un coup de pied dans la face. On va partir sur une petite commotion, à mon avis. Ah, Johnny va chercher un objet sous le ring, tiens. Ah, une chaise, une chaise. Oh, ça va être violent. Oh! Oh, ce coup de chaise. Et regardez, il se... regardez, il est là jubilé. Il regarde Karrion Kross complètement KO, sonné, perdu.
Ah, il est. Ah, c'est violent là ce que fait Johnny. Ça, c'est un travail de mental qu'il est en train de faire sur Karrion Kross. Il est en train de regarder fixement, mais Karrion Kross a l'air complètement dans les vapes, complètement sonné. Alors, avec le coup de chaise, forcément, ça ne l'a pas aidé. Oh! Contre Karrion Kross qui revient avec le armlock. Allez! Allez! Oh, Johnny qui s'échappe. Oh, c'est pas marrant. Oh, Johnny, t'es pas drôle. Les fans ont dit que Johnny Gargano allait encore gagner facilement. Il y a 6 à 4. 6 à 4. Peut-être même un 7 à venir. Attention! Encore à l'extérieur. Et Johnny Gargano qui assoit Karrion Kross avec une prise de tête maintenant. Oh, coup de coude. Et encore un coup de coude. Eh, mais attendez, Johnny Gargano saigne au niveau du nez. Si j'ai bien vu, il y a une petite tache de sang là. Ah oui, Johnny Gargano saigne. On n'avait pas vu. Oh, allez. Projection de la part de Karrion Kross. Oh my god! Allez! L'arbitre! L'arbitre, il est où? 1, 2, oh là 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 là! Oh là 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 là! Sans commentaire, monsieur l'arbitre. Ce sera sans commentaire. Ah, c'est bien fait de la part de Johnny. Allez, 1, 2 et 3. 7 à 4 pour Johnny Gargano. À 6 minutes de la fin de ce Iron Man match. C'est compliqué. Oh, Il est esquivé, les gars. Le DDT, oh. Lui par contre il a bien fait. Allez, le cinquième point. 1, 2, et oui, 3. Et ça fait cinquième point pour Karrion Kross. Ça fait 7 à 5. Et c'est bien fait. Il reste que 5 minutes officiellement dans ce match. Ça va, l'action est présente. Hein. L'action est présente. Oh! Oh, Johnny! Qu'il a fait abandonner, c'est 8! 8 à 5. Pris le large, hein, encore une fois. Oh, il va encore le faire abandonner, non? À Karrion Kross, c'est compliqué. C'est compliqué, comme a dit Candice LeRae, ça. Ça va être encore Johnny, les gars. Je pense que l'affaire est conclue là. Oh, allez, encore une fois.
Et le tomber. 1, 2, et dégagement. Allez, Carrion, 4 minutes, 3 maintenant. Oh, le DDT. Oh, il se prend des DDT du futur, Gargano tout de même. Le tombé, 1, 2 et 3. Oui, oui, bravo, bravo Carrion Cross. Oui, ça fait 6 à 8. On va pas gagner 2 points en 3 minutes. C'est impossible. Ah, quoique. Quoique. 1, 2 et 3. Mais oui. Mais oui, bravo. Ça fait 7 à 8. 7 à 8 le dimanche. Pardon. Excellent. Excellent. Mais il va le faire. Mais il va le faire, Karrion Kross. Oh my god. Oh my god. Allez. Allez, encore un petit point. Un petit point. Il te reste 2 minutes. Ouais, non, mais faut pas que Julien en remarque un. Oh, l'arbitre, il est où? 1, 2. Allez, dégage. Incroyable. Allez, allez, Carrion, mais allez. Oh là là. Oh, c'est un débutant, hein. C'est... Allez, on y va. Allez, 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 allez. Tape, 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 tape. Ah, oh, il s'échappe. Oh, ça aurait été bien une égalisation, là, juste avant la fin. Ah, ah, par contre, si Johnny en remet un, là c'est foutu. Parce que le temps. Il n'y a plus. Ah ben non, il n'y a plus. Il reste encore 1 minute 40. Oh là là. C'est bien fait. Johnny Gargano, allez, bien fait. Et 1, 2, et non. Est-ce que Johnny va prendre le 9e point avant la fin? Oh, peut-être avec le crossface. Oui, le 9e point de Johnny. Alors qu'il reste officiellement 50 secondes dans ce match. 50 secondes. Et c'est foutu pour Karrion Kross. Oh non, il va atteindre le 10e. 10e point. Oui, mais oui, ça fait 10. 10 points. 10 points pour Johnny Gargano face à 8. Il a fait les 10 points. Incroyable. Incroyable, Johnny Wrestling. Oh, ce match d'anthologie. Et la souplesse arrière. Je n'arrive pas à le croire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et victoire de Johnny Gargano. 10 à 8, mesdames et messieurs. Un match de dingue. Tout simplement, c'était un match de dingue. Un Iron Man match comme on n'en fait plus. C'était super divertissant. Bravo aux deux hommes. Bon, Karrion Kross. Il y a du boulot. Ah, mais il y a du boulot, hein, vraiment. Il y a du boulot. Il y était presque. Il y était presque, mais il y a du boulot. Et Johnny Gargano, 10 points. 10 points, incroyable. Incroyable.
Très belle victoire. Et j'ai très hâte de voir la suite entre les deux. Ça promet du lourd. Oh, du lourd. Ça va être parfait. Merci à tous d'avoir été présents pour cet épisode incroyable. N'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée.